Eh bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un petit stream chill. J'avais dit que je ne streamais pas hier soir, mais finalement regarde ce que je fais. Voilà, j'essaie de remettre un petit peu la caméra si je suis bien là. Ça a l'air d'être pas mal. Donc voilà, ce soir, petit stream qui va être assez chill. Je vais pas forcément parler très très fort, encore une fois, pour des raisons que j'ai déjà citées. Mais voilà. Donc j'avais envie de faire un petit peu de Super Mario Galaxy. Donc écoutez, moi je vais y aller. Mario Galaxy qui... en vrai, j'y ai rejoué cet été. C'est dans le cadre du Jumpless. Et vraiment, putain, je suis amoureux de ce jeu, franchement. Et ça m'a trop donné envie de faire plein de choses dessus. Donc à savoir le 100% du Jumpless déjà. De faire le jeu les yeux bandés, mais ça, bon. Ça sera pour une autre fois. Et aussi The Floor is the Fame, et j'ai trouvé que Mario Galaxy 2, j'ai pas trouvé Mario Galaxy 1, donc c'est pas grave. Mais du coup je me disais que à côté je serais chaud de potentiellement me remettre au speedrun. Et voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire on va juste repasser par un petit peu tous les endroits de la run. Et voir un petit peu les levels qu'on a, s'il y a des skips un peu intéressants à faire, à retravailler on va dire. Et puis voilà. Donc écoutez, on est parti. Alors ça c'est ma save du Jumpless. Là c'était je sais même plus quoi. Ah ça c'est juste une nouvelle partie. Ah oui c'est vrai que j'avais lancé cette nouvelle partie pour le Jumpless pour voir s'il y avait moyen de gratter des sauts. Et il y a moyen de gratter des sauts. Même sur une nouvelle partie. Donc faudra... Je vais effacer. Parce qu'évidemment, le Jumpless, on va le continuer. Là, actuellement, on a fini le 90% du Jumpless. Mais voilà, va falloir le relancer quand même. Donc écoutez, hop, on va lancer la vraie partie. Enfin, ma vraie partie. Et je vais juste, avant ça... Alors, live split... Que celui-là, sur Live Split, en fait, j'ai juste tous les levels dans l'ordre. Alors, Open Layout, Mario, ouais, j'ai Mario Odyssey, Mario Wonder, Mario Galaxy. J'ai tout. Voilà. Alors, déjà, on peut se dire... Évidemment, on démarre ici. Évidemment. Oh, ça fait plaisir. J'adore Mario Galaxy, c'est vraiment... Et vraiment le fait de jouer au 1, le fait d'avoir autant joué au 1 avec Mario 3D All-Star, le Jumpless, le 100%, oh, je suis tellement plus à l'aise sur le 1. Enfin, je préfère largement Mario Galaxy. Bah écoutez, voilà, on va juste on va juste refaire le jeu tranquillou. Hein. Alors déjà, il faut qu'on aille au... Donc normalement, c'est où c'est on spawn là. Ouf. Aïe, aïe, aïe. Le noobs. Après de souvenir, 1, 2, 3. Mais je crois... Je sais plus si on peut directement faire un triple saut. Si c'est parce que j'ai déjà fait le niveau. Ah dommage, j'ai essayé d'être efficace. Ouais, ce passage-là, j'ai jamais réussi à le faire vite. La dernière, je sais même pas où elle est. Elle est là. Aïe aïe aïe. Non mais ce passage là il m'a toujours embêté en speedrun. A chaque fois j'ai tendance de mais putain où est-ce que je dois aller. Paf. Voilà c'est le genre de détail qu'il faudrait travailler. Alors là j'ai un doute, je crois que le triple saut il marche pas. Merde, putain je suis vraiment nul là. Je pensais pas qu'il me toucherait. Je suis fort, putain.
Mais là, faut que j'essaie de trouver mes aises. Genre à bien poser mes bras et tout. Ouais, là, c'est pas mal. Allez. Ouf. Et la dernière. Alors, là, j'ai un doute. Yes. C'est passé, c'est passé. Ah non, il me semble pas que le triple saut passe. J'ai regardé, mais je crois pas. Non, j'ai regardé parce que je me souviens pas. Il y a beaucoup de skips, je m'en souviens pas trop. En vrai, faudrait que je regarde un speedrun hein, pour savoir. Non, ça a pas l'air de passer. Bon, par contre, ici, je sais. Alors, je sais plus. Ouais. Après, c'est ici. Voilà. Après, tu vas genre ici. Et tu passes tranquillement. En vrai, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je regarde un speedrun pour me remettre la run dans la tête. Ouais, pff. Après, en vrai, est-ce que Dino Piranha, j'ai vraiment envie de la faire? En vrai, flemme. Alors, la deuxième étoile. Je pense que les boss, je veux pas me faire chier à les refaire. Enfin, surtout que Dino Piranha, y a rien à opti. Faut juste pas se rater. Donc, la deuxième étoile du speedrun, c'est la deuxième. Hein. Alors. Non, c'est pas là, ouais. Donc non, on spawn là. Ouais, c'est ça. Après, faut aller là-bas. Après, lui, on lui parle. Il y a un de mes amis là-bas, il faut aller le voir. Ah merde, mais je me suis totalement raté, là, du coup. Parce que là, fallait que je récupère des fragments d'étoiles que j'ai oublié de récupérer. Là déjà, je serais baisé en speedrun. J'aurais perdu beaucoup de temps. Merde. Parce que là, le but, c'est vraiment de récupérer le plus de fragments et de souvenirs. Il en faut quand même beaucoup. Hein. Que là, y a pas beaucoup de trucs. Hein. Après, là, t'en ramasses. Là, je suis niqué. Paf. Voilà, tu peux en avoir pas mal. Et alors ici, t'as le gouffre. J'ai un doute, s'il en faut 50, 60, 30. Alors, il en faut combien? Ça, c'est le genre de truc, là, je m'en souviens pas. Hein. Pfff, oh là 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 là. Ouais, c'est impossible que j'ai assez, là. En plus, je me souviens vraiment de la suite, quoi. Parce que la suite, j'y suis resté longtemps dans le jumpless. Je crois pas que j'aurai assez sur cette île. Hein. Dommage, ça se joue pas de beaucoup en plus. Hein. Et bah rip. Putain, il en faut 100, mais c'est énorme! Ah bah super. Ah oui, en speedrun, t'es baisé vraiment si tu es en loop. Et hey, ça m'amène là. Je crois que je peux direct aller par là-bas pour gagner du temps. Ouais, ça c'est le genre de truc à opti, mais si t'es pas au courant. Ah, et pour le coup qu'il en faille 100, ça j'avais oublié. Hein. Alors.
En vrai, c'est pas tant les premiers levels que je devrais faire, c'est surtout les derniers, je pense. Parce que les derniers, c'est ceux qu'on a le moins l'occasion de travailler, vu qu'en principe, quand tu restartes ta run, tu restartes du début, donc t'as plus... Enfin, tu seras meilleur au début. Surtout la difficulté des levels, évidemment, est un petit peu croissante. Alors, je sais plus là comment on peut gagner du temps. Je crois qu'il faut faire un triple saut direct... Dommage. J'essaie d'être stylé, j'ai pas réussi. Ouais, c'est déjà ça. Allez, on va dire que c'était optimisé. Après là, je crois qu'on peut faire un tout droit vers le bas. Je sais pas où elle est l'entrée. Non, je me suis trompé, l'entrée elle était pas là. Elle est là. Ah merde, c'est pas passé. Ok. Et après, on connaît juste un petit saut vers l'avant. Et ça part. Et voilà, normalement là, je tournoie et je suis censé la choper. Donc après, le royaume des abeilles. Alors, qu'est-ce qu'on a au royaume des abeilles? En vrai, ce qu'il faudrait faire, ouais, c'est vraiment try chaque level. Mais après, j'ai pas tryhard dans le speedrun de Mario Galaxy. Hein. On va dire, j'ai juste joué au jeu pour pas me dégoûter. Justement, j'en avais marre très rapidement. Alors, je sais plus du tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de particulier, là? Je sais plus s'il faut aller là. Je sais plus si c'est utile. Je crois pas. Hein. Là, je vais là. Ah ouais, non, ça sert à rien ce que j'ai fait. Ça sert à rien. Non, oui, je me souvenais plus. Putain, c'est vrai qu'il te reset ton nombre de vies quand tu... Oh, putain. J'ai chier de me ramener, là. Pourquoi vous m'avez mis une save? Non, c'est pas là que je veux aller. Ouais, je pense que les premiers levels, je vais juste les faire. Puis basta. Là déjà, je me dis, si mon speedrun, il a duré 3h11, là, juste le fait de... Allez, de juste faire certains passages, et de pas récupérer les étoiles, de pas me taper les dialogues et tout, je vais être plus rapide que mon speedrun pour ce stream-là. Donc j'ai peut-être le temps de faire tout le jeu, là. Est-ce que j'ai réussi? Yes. Il faut faire gaffe parce que je me suis déjà tapé les abeilles et du coup je suis mort ici. Ah voilà, fameux endroit. Donc ça dans le jumpless, bah en fait tu peux pas sortir. Ah, il n'y a qu'en mode abeille que tu peux taper les bords. Mais bref, ce nénuphar là en jumpless... Bah t'étais obligé de sauter pour sortir de ce nénuphar. En fait, il y a un bug a priori. Quand t'es en mode abeille, qui fait que quand tu tournoies, tu peux taper le bord du nénuphar. Et a priori, plus tu tapes le bord, et plus le nénuphar va monter petit à petit. Merde. Et t'es censé pouvoir sortir de la zone de cette façon. Mais évidemment, j'ai jamais réussi. Ouais. C'est un niveau à fragments, ça. Ouf. Ah, j'ai pas réussi à la choper dès le spawn. Et là, ah blablabla, blablabla, tu es un nouveau sujet, mais non, mais c'est pas possible. Alors c'est quoi le plutôt petit hein? On va direct à droite.
Après tu montes. Après tu descends. Ouais, je sais pas c'est quoi le plus efficace. Et après tu prends le TP, t'arrives dans le rang Captain Toad, tu récupères l'étoile. Donc derrière, le deuxième level du royaume des abeilles. Et lui, il m'a un peu traumatisé sur le jumpless. Mais c'est un niveau sur lequel j'ai pu économiser beaucoup de sauts finalement. Mais il y en a quand même qui sont vraiment obligatoires et t'as pas le choix quoi. Alors là, je vais montrer. Alors je vais pas faire la route jumpless. Mais concrètement là, je vais montrer là où je vais aller. Normalement, ce que je fais, là je suis censé faire, un triple saut ici pour atteindre le haut. Et dans le jumpless, en se laissant tomber dans le vide comme ça, tu peux faire un saut mural sur ce bord-là. Et après, tu peux monter par cette pente-là. Alors moi, normalement, on arrive là. Donc 1, 2, 3. Ah non, je me suis raté. Moi, le dernier saut, faut le faire devant les plantes bleues. Enfin, les fleurs bleues. Ça devrait être bon, nickel. Donc normalement, voilà, on arrive ici. Et après, faut aller là-bas. Et là-bas, pareil, bah, en se démerdant, tu peux réussir à monter tout en haut sans faire un seul saut. Sinon, bah là, classico. Hein. Donc là, en utilisant un petit bug, tu peux monter les murets. Mince. Ouais, autant aller là direct. Donc du coup, t'arrives ici, et après bah tu peux te démerder pour choper cette étoile là sans faire aucun saut. Bon ici malheureusement t'es obligé d'en faire pour cette transition là. Là t'as vraiment pas le choix. Ici bah t'as pas besoin. Et après ici si tu te démerdes en faisant hop. En tournoyant sur le mur, tu peux sauter sur le Wiggler. Et du coup, là, t'as aucun saut. Ah merde, c'est vrai qu'il fallait en haut. Là, bon bah ça c'est évident. En fait, dès que t'as un petit peu de vie, dès que tu peux faire des sauts en long... Enfin, des sauts pas en longueur, mais... Mince. Dès que tu peux faire des sauts muraux, pardon, tu peux faire un petit peu ce que tu veux, concrètement. Alors là, il me semble qu'il faut faire un saut en avant. Merde. Je crois que ça passait. Ah, je sais pas pourquoi. J'aurais peut-être dû tournoyer. Ou c'est peut-être là que ça passe. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que je l'ai tué au bon endroit? Ah non, dommage. Alors derrière on a le troisième level du royaume des abeilles. Alors de souvenir c'est juste un tout droit pour aller devant la reine qui est pas sous la cascade mais au-dessus de la cascade du coup. Après bah tu débloques le TP pour atteindre le... Bon alors je save mais ça sert à rien. J'ai déjà toutes les étoiles. Et là, normalement, quand je suis censé finir dans ma meilleure run, je suis à 28 minutes 40 au moment où j'obtiens la troisième étoile. Là, je suis à 19 minutes de règle, donc ça devrait aller. Donc là, c'est quoi? C'est les scarabées qui t'attaquent. Ils sont pas contents, c'est ça le scarabée. Dans le scarabée, il y a arabe. Oula. Bonjour. Oh, nos voisins nous font des misères. Blablabla. Mais non. Bon, après, c'est un combat de boss assez classique. Ouais, c'est plus lent, je crois. Je crois que c'est plus rapide de directement y aller. Et de pas prendre la fleur. Il me semble que c'est plus rapide. Bon après ici on connaît. Hein. Voilà. L'optimisation c'est de la choper sur les bordures de son hitbox.
Rien de particulier normalement. Attends, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui branle? Ok, j'ai réussi à la faire bugger, je suis chaud. Je sais plus c'est quoi la strat, je crois, ouais, c'est juste d'attendre. Là, il me semble, ici, il faut un petit peu aller là. Parce que sinon, elle est de côté. Et tu peux pas la taper de côté, enfin, c'est dur. Bon, bah voilà, rien de particulier. Je crois que c'était toi le... C'était toi le seul saut, je crois, c'est pour parler à la reine. Après, t'as pas besoin. Mort, qu'est-ce qu'on a après? Bon, on a le surfing, je vais pas me faire chier à le faire. Surfing, y a rien à opti. Là, le réversible, à la limite, on peut faire. Et après, on aura la terrasse de Bowser. Terrasse de Bowser, bah, il y a juste le skip du début à faire, mais il te fait pas gagner tant de temps. J'ai un peu la flemme de le faire. Incroyable. J'ai eu tellement peur. Putain, j'étais persuadé que ce saut, il passerait plus. Bon, et après, bah voilà. Alors, terrasse de Bowser. Enfin, quand je dis terrasse de Bowser, c'est évidemment le Bowser de la terrasse, vu qu'on est actuellement à la terrasse. Ah, mais d'ailleurs, on voit le live split. Enfin, je vais le couper en vrai, parce que... Je peux pas trop le montrer, quoi. Bon, alors ici, en fait, deux soit chauffe à nous. Soit on va choper le billball qui est là pour aller nous ouvrir ça, soit ici, on peut se démerder pour faire un triple saut et directement atteindre la zone de gravité de la planète du boss. Mais c'est tellement de la chance pour ça que c'est pas rentable de le faire si tu le first try pas. Genre là déjà ça vaut plus le coup ce que je suis en train de faire. Ah mais c'est dur à faire en plus cette merde. Hein. C'est que ça vaut même pas le coup quoi. Je crois que pendant ma meilleure run je l'ai réussi directement. Ça m'a fait gagner du temps mais... Mais dès l'instant où tu te rates en fait ça vaut pas le coup quoi. Ouais j'ai réussi. Voilà, donc faire ça, ouais, est-ce que ça vaut tant la peine que ça, je ne sais pas. Et après, faut choper la zone d'activation. Et vas-y, je vais faire le boss normal. En fait, oui, si tu réussis, tu gagnes du temps, mais en vrai, le temps est tellement faible. Est-ce que ça vaut réellement le coup? Je pense que si vraiment tu veux des temps stables sur ce boss, te fais pas chier. Alors ça c'est quelque chose que n'importe qui peut faire mais c'est pas rentable du tout pour moi. Juste là tu vas en bas à droite, t'actives le billball. Parce que tu dis en plus là, avec le TP, ok tu perds du temps à faire tout le tour comme ça mais t'arrives directement là. Donc ouais, l'autre truc, tu gagnes peut-être 10 à 15 secondes. Mais en attendant, suffit que tu te rates deux fois et c'est fini, quoi. Tu te rates deux fois et ça vaut plus la peine. C'est le genre de choix à faire, je pense, pour Opti. D'ailleurs, le son du jeu est pas fort. Je vais le monter un peu. Hop. Alors, on va à droite.
Petit bâtard. Putain, il m'invoque direct des beatballs. Je sais pas si les sauts en longueur, là, ils étaient rentables. En fait, s'ils sont pas sûrs, les sauts en longueur, ouais, ils servent à rien. Alors là, le but, c'est de faire un triple saut, normalement. Ah, j'ai raté. En vrai, si tu rates le triple saut, tu perds pas tant de temps que ça. Mais ouais, si tu veux perfect ce boss, dès la plateforme de spawn, tu fais un triple saut pour atteindre l'île, cette planète du boss. Et sur la deuxième phase, là, tu fais un triple saut pour directement atteindre la grosse étoile. Pour la péter. Bon, bah, une fois que ça c'est fait, on va dans le niveau de la poussière d'étoiles. Et là-bas aussi, on a des petits skips à faire. En fait, je suis content de faire ce que je fais là parce que avec le jumpless, il y a des levels que j'ai pas pu faire. Notamment le volcan de glace. Parce que le volcan de glace, tu dois faire un nombre de sauts qui est scandaleux. Et le niveau est impossible sans sauter. Enfin, vraiment, tu dois faire minimum, je te dirais, 6 sauts par étoile, sinon tu peux pas finir. Oh, c'est un niveau à fragments d'étoiles celui-là, mais je suis pas sûr. Alors je vais essayer de refaire le bug qui lui, dans... lui, même si tu te rates plusieurs fois, vaut le coup. Mais il est assez dur à reproduire. Ouais. Non, j'ai raté. Alors t'es là, tac. Putain. Il est dur, il est dur. Mais en fait, tu... Là, le bug que j'essaye de faire, c'est de skip, je te dirais, allez, 20% du level. Je crois que j'ai réussi. Yes. Alors, j'ai à moitié réussi. Donc là... Ouais, je te dirais, j'ai peut-être skip à peu près 20% du level. J'ai réussi assez vite, c'est cool. Là, on passe au-dessus de ça. Ah non, j'ai raté. C'est vrai que là, le Toad vert et le Toad jaune, faut les péter en même temps. Ouais. Aïe aïe aïe. Bon allez, on va le faire assez gentiment. Après, je me souviens plus où est-ce que les plateformes spawnent. Hein. Voilà, on peut faire ça, non? Alors j'ai dit je crois, mais je le ferai jamais dans une vraie run. Hein. J'étais vraiment pas certain de moi. Hein. Ouais, même là. Hein. Là, je le fais parce que je suis pas en vraie run. Hein. Dans une vraie run, jamais je fais ça. Mais c'est juste par rapport au jumpless où je crois que c'est à peu près par là et que je peux me permettre de faire ces sauts-là. Là, le saut que je viens de faire, oui, je pourrais le faire en speedrun. Parce que lui, je suis certain et je sais où j'atterris. Donc après, on a la deuxième étoile de la poussière d'étoiles, du coup. Bon, comme j'ai dit, on s'en branle de sauvegarder. Paf. Charge la flotte qui est... Ah putain, c'est vrai. Je sais plus si cette étoile là on peut la faire sans sauter une seule fois. Eh bah déjà c'est mort, on est obligé de sauter pour ici.
Mais je crois que c'est le seul saut obligatoire de ce niveau. Parce que là, après, bah, t'actives. Normalement, t'actives ce truc-là. Ça, tout ça, tu peux le faire sans sauter. Ça, je m'en souviens, évidemment, tu peux le faire sans sauter. Putain, la pute! Putain, elle m'a spawn dessus! Tout ce passage-là, tu peux le faire sans sauter. Ici, pareil. Bah. Pourquoi c'est pas passé? Parce que j'ai sauté, j'aurais pas dû. Ici, pour gagner du temps de souvenir. Mais je sais pas si tu gagnes tant de temps. C'est triple saut ici. Comme ça, tu montes direct ici. Tu démarres le combat, mais t'as la carapace en main. Et du coup, dès le début du combat, tu peux directement taper la Kamek. Mais je sais plus si là, je peux spammer mon bouton pour que ça passe. Ah non, j'aurais dû attendre qu'elle se pose. Et là, tu vois, déjà, j'aurais gagné du temps. Alors tu te dis sur son premier tir là j'aurais gagné du temps, ouais. Ouais pareil là, directement ce qu'il faut faire. C'est pré-shot la trajectoire pour pouvoir lui tirer dessus efficacement. Merde. Ouais, ça fait gagner du temps. Et alors, question là. Si je crois que je suis obligé de sauter pour ça. Je sais plus si j'en étais obligé de sauter pour ce moment-là. Je crois que j'avais essayé, j'ai jamais réussi à atteindre cette bordure-là, à monter dessus. Ouais, une fois que t'es ici, je crois que j'avais essayé. Genre en faisant ça. Ouais, mais tu peux pas atteindre l'étoile. En fait, si t'arrives à monter sur cette barrière, oui, tu peux atteindre l'étoile, il me semble. J'ai jamais essayé. Ouais, comme ça, c'est sûr, tu pourrais l'atteindre. Attends, j'ai jamais réussi à monter, là, sérieux? Si? Attends. Je sais pas si j'ai déjà essayé de faire ça. Parce que là... Bah oui. Mais du coup, si logiquement, j'arrive à aller là... C'est-à-dire que... Attends. C'est-à-dire que logiquement j'arrive à aller là. Merde. Ah. Ah ouais, mais non, mais là tu glisses net quoi. Ouais, bref. Ah, il y a peut-être moyen d'arnaquer le truc pour pas sauter. Alors derrière, qu'est-ce qu'on fait? La boule. Ah, ça va, la boule, c'est intéressant comme niveau. La boule, la bulle. Juste le surf qui vaut pas le coup d'être fait. Le surf, il n'y a pas de skill à avoir. C'est vraiment... Je crois qu'il n'y a que deux sauts dans le niveau. Je suis pour parler au pingouin pour lancer le surf. Et un saut pour récupérer l'étoile. Bon là, on connaît, hein, normalement, c'est le panneau qui nous parle. Je trouvais ça incontrôlable à l'époque. Finalement, ça va. C'est vrai qu'il y a plus simple à contrôler quand même. Là, tu perds beaucoup de temps en plus quand tu fais des sauts. Sinon, c'est dès l'instant où tu fais un saut, tu t'arrêtes pas et tu continues de sauter. Et comme ça, tu perds pas de vitesse. Ouais, bon voilà, après le niveau il est fini. Rien de plus à dire. Forteresse rocheuse. Ah oui, là aussi où j'aurai le temps de faire tous les niveaux du jeu, de ma run, c'est parce que je vais pas faire les comètes. Parce que les comètes, c'est refaire le même niveau avec un point de vie ou avec du temps.
Alors Forteresse Rocheuse, qui est un niveau qui est assassin dans une run jumpless. Tout simplement parce que ici, là, tu peux pas changer d'île ici. T'es obligé de... Attends. Là déjà, t'es obligé de faire... Ah, quoique, attends, est-ce que cette île-là, on peut la skip? J'ai même pas essayé la dernière fois. Ah, si tu peux l'atteindre. Mais là, déjà, tu te dis, j'ai fait un saut. Là, j'ai fait deux sauts. Là, je suis obligé d'en faire un troisième. Et après... Ah, tu peux pas aller direct là-bas, après. Ah, quoique, j'ai un doute. Le triple saut, il est possible, il me semble, ici. Il me semble qu'il est faisable. Wow, quoique. Quoique, j'ai un immense doute, là. Ouais, beaucoup trop loin. Non, non, c'est pas faisable. Bon, et après, en vrai, c'est un tout droit. Après, t'amènes un Bilbo à la fin pour péter l'étoile, et puis voilà. On va pas se faire chier, en vrai. Étoile numéro 2, par contre, je m'en souviens pas du tout. Je vois pas du tout ce que c'est comme ça. J'ai fait niveau 2 de la poussière d'étoile, hein. C'est quoi déjà? Attends, j'ai un doute. Je crois pas que je l'ai fait. J'irai voir après. Alors, infiltration. Donc là, c'est tu récupères une bobombe dès le début. Et là, en principe, tu peux pas aller plus vite que la musique, hein, vu que tu dois attendre Capette. Là, je sais pas si on fait l'étoile secrète ici. Non, on la fait pas. On goinfre l'huma. Non, on le fait pas. Donc là, si tu vas chercher une bobombe ici. Ah oui, de souvenir, il se transforme en petite étoile, et là il y aura une grosse étoile, mais t'es obligé d'attendre pour pouvoir la prendre. Très frustrant. Oh, ah ouais, ce passage, il est cauchemardesque. Je sais plus si on peut niquer le truc. Je crois qu'on peut niquer le truc. Genre, si je me mets sur le côté là, et que je chope ça, bah du coup, on passe au-dessus et en dessous des bombes. Ouais, ça vaut pas tant le coup que ça. Là, je sais plus, t'as l'impression que l'interrupteur faut l'utiliser, mais pas du tout. En vrai, on s'en branle. Juste, on va dans ce tuyau. Après, on prend des bonbons, on active le canon. Ah, tu m'as sauvé! Hop, je suis mort! Et là, tu spams. Après, ça explose, Macron explosion. Ah, y a pas de truc? Ah, je sais même plus c'est quoi la technique ici. Je crois faut... Je crois que si t'es au petit... Vu que la zone, elle se charge quand t'arrives. Je crois là, c'est juste tu y vas. Et après, là, il me semble qu'il faut tirer directement. Ouais, c'est ça. Normalement, si la bombe, tu l'as pris si tu es au petit et que tu prends la bombe directement, normalement, le canon, tu peux directement tirer, il n'y a pas de souci. Alors, la comète, j'ai totalement oublié ce que c'était. Parce que là, j'ai noté que... Ah non, on fait la comète de la poussière étoile. Bah du coup, c'est la... C'est exactement la même. Par contre, là, est-ce que j'ai lancé le deuxième level de la poussière d'étoile? Je crois pas. Hein. Ah oui, putain, c'est Kamek. C'est vrai. Donc après, dans le speedrun,
Donc on fait la comète de poussière d'étoiles, qui est le niveau 1, mais avec du temps. Et après, on lance la comète... Non, on fait la 3 de la forteresse rocheuse et derrière la comète. Et il me semble que c'est la toupie qu'on affronte. Donc la comète, bon, c'est juste tu raffrontes la toupie, mais avec une vie. Après, je dis ça, évidemment, je suis déjà mort. Mais bon, c'est surtout histoire de refaire un peu les optis. Bon, déjà, c'est pas une opti parce qu'on peut pas y aller. T'es obligé d'aller là. Mais on s'en branle, je crois. On peut directement y aller. Ouais, ici aussi, je crois, on peut pas trop opti. Ouais, à la limite, tu peux gagner du temps comme ça. Oh! Ouais, c'est ce qui me semblait. Tu peux gagner du temps en tirant directement sur les toupies rouges. Là, il me semble qu'on peut faire un long jump. Ah merde. Attends. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Long jump. Ah si, le long jump passe. Oh putain, quel enfer. Qu'est-ce qu'il faut faire ici déjà? Là, tu vas là. Ah oui, et après. Merde. C'est bon, je me souviens de ce qu'il faut faire ici. Donc là, dès que t'arrives là, on va dire, je suis tombé là. 1, 2, 3. Ah non, ça passe pas. Ouais, je sais pas si ça fait gagner du temps de faire ça. Il me semble qu'on peut faire un saut mural, mais ouais, je crois pas qu'on gagne de temps. Paf. Là, on active ça. Après, on a deux toupies à tuer, il me semble. De souvenir. Genre, tu tires sur une et tu butes l'autre. Après, on peut faire un saut chargé au sol pour direct aller sur l'étoile. Voilà. Après, je crois qu'on spawn sur le dessous de l'île. C'est ça. Mais là, on peut faire un long jump au-dessus. Alors ici, long jump. Et normalement, t'es censé atteindre... Voilà. Ah non. Normalement, t'es censé aller assez haut. Voilà. Petit boss toupie. Un spoil. Mince. Putain. Oh non mais vas-y, j'ai vraiment du mal sur lui là. Ah, c'est une dinguerie. Ça veut vraiment dire que ça fait longtemps que je l'ai fait ce boss. Vraiment pour avoir du mal sur ça. Je savais même pas qu'il y avait les petites pour te dire à quel point je trouve ça étonnant que j'ai du mal sur ça. Waouh. Putain, j'ai été mauvais. En vrai, j'ai envie de faire la comète, là, parce que... J'étais très mauvais. Même le boss caillou fantôme, j'ai moins de difficultés dessus. Hein. C'est clairement pas normal, ce qui vient d'arriver. Bah, c'est que ça fait longtemps et que dans le jumpless, je l'ai pas fait, ce boss. Hein. Pour ça, hein... Juste perdu l'habitude de celui-là. Donc quand t'es là comme avant, tu fais juste un long jump. Ah oui, c'est ce qui me semble, t'es censé pouvoir choper le haut normalement. Oh putain. Putain, c'est une vanne. Oh, merci. Ah mais il fait peur hein. Vu que t'as qu'une vie. Ouais, en fait, c'est ça, c'est... Si t'arrives pas à le choper directement, t'es niqué. Attends, là, je spam pause. Ok, ouais, non, lui, faut... Ah, c'est des boss, tu peux te faire avoir facilement.
Et donc après ce level, on est censé être à plus d'une heure de run et on fait le buzzer de la salle de bain. Là, je suis à 3 quarts d'heure de rec quand même. Hein. Ouais, normalement on devrait faire sub 3 heures on va dire sur le stream. Vu que je me retape pas les niveaux en entier. Ah putain, les niveaux de buzzer, c'était vraiment un enfer à faire. Hein. Sur le jumpless. C'est pas des niveaux difficiles, mais... ils étaient durs en jumpless. Là, tout ce passage-là, t'es pas obligé de sauter, normalement. Là, ici... là, je sais... Ah, mais attends, ici, je crois que... ah, si, en un saut, tu peux le choper. Parce que j'allais dire, sinon, peut-être ce qu'on peut faire... genre, tu fais un saut... ah non, on peut pas sauter sur le... sur lui. Ah, on saute pas avec lui, ok. Ouais, donc là, t'es obligé de faire un saut, en fait. Je viens de me niquer, là. Attends, comment on peut être efficace? Là, quand t'es là. Je sais plus si le long jump, il passe. Ah oui, il passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, Mario, je sais pas pourquoi, il a fait un 3-6. Du coup, je pouvais plus avancer. Ouais. Non, malheureusement, tu vois, là, je serais content d'avoir des save states parce que du coup, je peux pas m'amuser à spammer ce passage, quoi. Là, déjà, t'es obligé d'attendre. C'est assez frustrant, évidemment. Là, pareil, je... voilà, tu peux te permettre de faire ça. Là, t'attends. Là, tu t'en branles de te faire taper. De te faire brûler, pardon. Oh, papa! Alors. Et après, ici, et hop! Je crois que je me suis raté une fois, ça m'a fait péter un câble, ça. En fait, ce saut-là, si t'évalues mal la distance, tu peux gagner du temps. Esquipe une petite partie, on va dire, du chemin. Vu que t'atteins la plateforme et que la plateforme débloque... enfin, la plateforme, elle, trigger de ce dialogue. En attendant, ouais, tu peux perdre du temps un peu sur ça. C'est vrai que là, au début, il est lent. Un gros rouge, je suis bousé. Ah! Ah, on gagne du temps si on se fait taper? Si on se fait toucher par le feu, je savais même pas. J'étais persuadé qu'on passait en dessous du feu. Il me semblait que je faisais ça. Ah oui, là. Mince. Ouais, au pire. Paf. Paf. Merde. Bon. Dans tous les cas, on l'a fié. Alors derrière, on switch dans la salle de bain. Bon, normalement, on n'y va pas comme ça, hein, bien sûr. Je sais plus c'est quoi le plus efficace pour aller à la salle de bain. Normalement, tu respawn ici. Ce que tu dis pour gagner du temps, à la limite, tu fais tac, tac. Et après, là, t'es sur un triple saut. Sinon... ah oui, non, ce que tu fais, ouais, c'est triple saut, et je crois qu'on essaye d'atteindre ça.
Ouais, c'est ça. Alors, plage saladier numéro 1. Bah, du coup, je vais faire ce que j'avais essayé de faire pour le speedrun, pour le jumpless. Mais du coup, j'avais pas réussi. Pour atteindre l'étoile, on va le faire manuellement avec le chemin un peu classico. Mais ici, normalement, oui, c'est vrai que tu te fais chier, en fait, il n'y a pas besoin, quoi. Je sais plus là. Ouais, c'est ici. Là déjà tu vas là, et après triple saut. Merde. Putain. Nickel. Ah non, obligé de triple saut ici. On dit qu'on arrive là. Triple saut. Et après ici, triple saut aussi. Ah oui. Mince. Et après, je sais pas si j'ai la hauteur pour choper l'étoile. Il me semble que oui. Hein. Non. J'aurais bien aimé tout faire en un seul saut. Bon bah voilà. Là, on a l'étoile numéro 2. Étoile numéro 2, c'est quoi? C'est la course? Non, c'est l'épreuve de natation. Il me semble, la plage saladier, on enchaîne tous les levels. Hein. Parce que là, je vois, on fait la 1, on fait la 2, on fait la S. Donc là, avant, et ça, je me souvenais pas pour le jumpless. Faut d'abord aller parler au papa pingouin. Ah, oh, toi aussi, tu veux passer l'examen? Oui, je veux. Ok, il faut rapporter la carapace dorée. Blablabla. Et normalement, là, vu que j'ai été efficace, voilà, la carapace, elle est ici. Il faut savoir où est-ce qu'ils pop ces petits cons. Que si tu sais pas, tu perds un petit peu de temps. Tiens, je te donne cette médaille en or, mais en fait, est-ce que tu es l'un de mes élèves? Mais non. Voilà, donc après on prend l'étoile, on connaît. Derrière, on lance l'étoile numéro 3. Donc là, on est censé avoir les deux étoiles. Donc on lance la troisième. Putain, il est minuit déjà. J'avais dit que je streamais pas hier, mais au final... C'est parce que je voulais faire le montage de Peach Showtime. Mais j'ai fini le montage cette nuit. Donc bon. Finalement, je me disais, bah ouais, vas-y, pour ce soir, je vais stream. Vu qu'hier, je voulais stream du Mario Galaxy, bah je vais en faire ce soir. À chaque fois, j'ai trop peur de tomber dans le vide. Alors, je me souviens plus s'il y a des optis pour là, ce que je vais faire. Voilà, ouais, le petit numéro 1, c'est d'aller là et de faire un triple saut depuis ce bord-là. Putain. Oh là là, quel enfer. En plus, la caméra. Putain, j'y arrive pas. Est-ce que je suis obligé de sauter depuis ce bord-là? Ah ouais, ouais, on est obligé. La vanne. Ah putain. Non. Ah putain, c'est dur en fait ça. Putain, c'est pas quelque chose que je voyais comme étant difficile pour moi. Allez là, c'est bon. Ouah, non mais tu te fous de ma gueule. Putain, mais à quel moment j'y arrive pas? Alors là, je suis choqué.
Bah c'est bon. Mais c'est possible ça? Attends, j'étais persuadé que c'était faisable. Attends, je regarde l'ombre de Mario. Bah ouais. Pourtant, je devrais être dessus. Je peux pas faire mieux là. Ah, c'est le genre de truc où il faudrait voir sur un speedrun si c'est faisable. Parce que si ça se trouve, je pense que c'est ici, mais en fait, non, c'est dans un autre niveau. Ah, je suis quasi sûr que c'est faisable pourtant. Il est assez cauchemardesque ce passage-là. Ouais, quoique. Ah, c'est rigolo, là, l'étoile, elle est jaune. Et là, après, si on la prend, c'est bien une étoile grise. Ouais, c'est rigolo, les reflets de temps en temps. En fait, c'est qu'ils font spawn une étoile qu'on voit que à travers l'eau, quoi. Alors, après, c'est quoi? Est-ce... Après, c'est Galaxy Fantôme. Après, normalement, on fait le Winfrolima de la terrasse, mais je l'ai pas mal fait déjà ce level avec le Jumpless. La Galaxy Fantôme qui m'a mis giga bien. Je crois que c'est l'un des mondes qui a le moins besoin de sauter du jeu. Genre, de souvenir, je crois qu'il y avait besoin de faire 3 sauts pour récupérer 5 étoiles. Genre là, l'étoile que je vais faire, je crois qu'il n'y a aucun saut qui est nécessaire. Alors j'ai un doute si on peut... Ouais, ça te fait pas gagner beaucoup de temps. Ah putain, c'est vrai. Je me souviens. Ah mince. Non. Ouais, non, mais je me souviens. Non, j'ai oublié ce qu'il fallait faire. Ce qu'il faut faire, c'est récupérer l'étoile multicolore, là. Évidemment, on me fait respawn. C'est my bad. On va faire le level normalement. Et tu vois, si je veux me relancer dans le speedrun, c'est bien que je me rende compte de ce genre d'erreur. Parce que si je fais l'erreur, c'est que je vais m'en souvenir, j'imagine. Je sais pas, là, j'ai pas fait d'erreur. Pour l'instant. Là, quand je dis erreur, c'est vraiment un oubli du chemin. Là, c'est la première fois que j'en ai un, vraiment. Parce que du coup, ça veut dire que, paf, tu passes à travers le chon. Là, le bouc à la clé, tu le butes direct. Et comme ça, tu vas directement là. Qu'est-ce qu'il faut faire ici déjà? Ah oui. Je crois qu'il fallait pas que j'aille à droite. Il me semble que là, normalement, t'es censé aller à gauche pour gagner du temps. Ah merde. Ouais, ça... Des petites pertes de temps par-ci par-là. Ouais, c'est ça, faut finir à droite normalement. C'est pas grave. Après, on aura un petit saut dans le vide, non, pour une clé. Ou c'est pas là. Si, c'est ici. Merde. Oh là là. J'ai juste voulu faire le malin. J'ai bien raté. Alors ici, du coup, j'ai jamais réussi à faire ça pour récupérer la pièce. Et là, je me dis qu'avec ces escaliers,
Il y a un monde où c'est possible. Bah, j'essaie de voir un peu. Est-ce que j'aurais pu ne pas sauter dans cette situation? Ouais, genre là, attends. Ah ah! Je pense que c'est possible. Très dur, mais je pense que c'était possible. En fait, ce qu'il faudrait que j'arrive à faire, c'est choper le saut mural. Et si je chope le saut mural, ça veut dire que je chope ce saut mural. Ça... Oh, putain, il y a un truc au-dessus. Putain, en vrai, j'ai vraiment envie d'essayer là pour la run not jumpless. Si j'arrive à choper ce saut mural, ça veut dire que c'est win. Attends, déjà, juste si je descends. Ah, j'avais réussi. En fait, il me faut l'angle parfait. Ah. Ok, j'ai réussi. Donc c'est confirmé. Ici, j'avais calé un saut, mais il n'était pas obligatoire pour le jumpless. Bah, c'est officiel, ça veut dire que la galaxie fantôme a beaucoup d'étoiles où on n'est même pas obligé de sauter. Mince. Parce que ce niveau-là, ça veut dire... Ouais, cette étoile-là, aucun saut n'est nécessaire. Cette étoile-là, on peut la faire à 100% sans un seul saut. Parce que le seul saut qui était nécessaire, bah, c'est celui que j'ai réussi à débloquer. Et bah nickel. Ouais, donc ça confirme évidemment qu'on pouvait gratter des sauts. Que j'ai fait des sauts qui servaient à rien. Parce que du coup, pour vous dire, j'ai fini Mario Galaxy hein, en faisant 86 sauts. Et encore, je sais évidemment qu'on pouvait réduire ce chiffre parce que j'ai fait des galaxies. J'ai fait des étoiles qui nous coûtaient peut-être un peu cher. Mais bon. Alors là, normalement, on fait le Goinfreluma de la Terrasse, la comète du Royaume des Abeilles. C'est vrai que j'ai pas pensé à faire la comète. Et là, on fait la planète of Luigi, bon, qui est juste un triple saut. Après, on fait le 3 de la plage Saladier, et j'imagine on fait la comète derrière. Non, on fait l'étoile secrète de la galaxie fantôme. Ah non, pardon. On fait la 3 de la plage Saladier, on débloque la comète, après on fait la secrète de la galaxie fantôme. Alors je sais plus comment on la débloque celle-là. Ah oui, vas-y. Ah merde, je l'ai raté. Bon, c'est pas grave. Je crois de souvenir cette étoile là, on la fait pas dans la jumpless parce qu'elle coûte trop cher en soi. Alors une fois qu'on est là, je crois qu'on peut pas gagner de temps. Hein. Peut-être en allant là et c'est tout quoi. Merde! S'il te plaît, je... Ah, c'est dans ce moment-là où la caméra, tu l'aimes pas. Hein. Putain, mais j'ai plus de vie. Alors, est-ce que ça fait gagner du temps? Ah, tu gagnes du temps quand même à aller là, en fait. Oh, merde. Ah, putain, je pensais pas qu'il irait si loin. Hmm. Ah, tu peux faire ça. Je sais pas si ça fait gagner du temps. Après, tu vas là. Ah, si, ça doit en faire gagner un petit peu. Ah ouais, mais là, t'es baisé. Là, t'es obligé d'attendre. Après, tu peux directement sauter là-bas. Ah non. Ça sert à rien. T'attends que lui tombe. Ouais.
Ok. Ah, bonne question. Mais de toute façon, avant de reprendre officiellement le speedrun, il faudra que je me refasse des runs, mais que je voie. Alors, la comète, c'est pareil, mais le niveau est plus rapide. Après, la secret de la galaxie fantôme. Ouais, ça, on peut voir pour essayer d'optimiser. J'ai pas vu la bulle. Ah, c'est après qu'on fait la bulle. Ah, mais ça me réchauffe trop, j'ai... Attends, c'est quoi? Course boue. Mais attends, c'est quoi la secrète? Je croyais que la course, c'était la secrète. S Galaxy Fantôme. C'est quoi la secrète? Une étoile dans les ténèbres. Bah ouais, c'est bien là. Ah mais putain, c'est vrai. C'est vrai. Pour faire la course, tu dois aller là-bas. Mais la secrète, elle est ici. Tout simplement. Ah oui, bah oui, je me souviens du level, la secrète. Ouais, étoile qui est faisable à... Je crois qu'il y a un seul saut qui est obligatoire. Et encore, j'ai un doute en disant ça. Je suis mort là. Ouais, mais ça c'est parce que je me souviens pas du level. Hein. Mais je suis pas obligé, hein. Là je suis mort pour rien. Hein. Tiens, question. Est-ce que le triple saut il passe? Putain, mais bien sûr. J'ai jamais testé. C'est tellement plus safe de faire ça. Parce que sinon t'es censé ouvrir la porte. Enfin, je crois. Et voilà. Oui. Sinon, il me gêne un peu trop. C'est un niveau à fragments, un peu ça, non? Éviter de faire nimp. Là, tu vois que tu peux y aller, donc tu y vas. Là, il me semble qu'il y a une pièce ici. Ah, cette étoile, elle était cauchemardesque hein, pour le jumpless. Hein. Elle était cauchemardesque, hein, cette étoile. Hein. Pourtant, évidemment, très simple, tu vois. Évidemment très simple. Alors c'est juste, j'ai un doute. Est-ce qu'il fallait que je récupère la clé? Là où je suis mort là parce que j'ai pris une clé. Je crois que ouais, le triple saut ça suffisait. Hein. Je vais relancer le niveau parce que bah, je sais pas. Je préfère m'en assurer. Donc on lance la deuxième. Record 59 secondes. Putain, sérieux, j'ai jamais fait mieux. Alors, moment de vérité. Alors, est-ce que la porte était déjà ouverte? Ah oui, non, elle est fermée. 1, 2, 3. Bon, quoique, t'as même pas besoin de faire un triple saut. Mais quand t'es là, la porte, elle est ouverte? Ah oui, non, elle est fermée. Ah ouais, ok. Bah, tu vois, ça, je ne savais pas. J'ai jamais testé de faire le triple saut. Alors, bah, du coup, maintenant, on va faire la course normale. Bah, c'est beaucoup plus safe de faire ça. T'es même pas obligé de faire un triple saut, tu peux faire un semi-run, tu gagneras du temps et tu crèveras pas. Parce que sinon t'as l'option où tu fais le saut en longueur. Tu vas au niveau de la clé, mais tu fais un saut en longueur pour passer sur le côté de la porte. Mais ça, je suis déjà mort plusieurs fois de cette façon.
Ça sert à rien en fait. C'est vraiment inutile. Ah la tête, t'es pas possible. Donc c'était à Donc l'étoile qu'on vient de faire là, elle est faisable sans sauter une seule fois, mais c'est hyper dur. Et cette étoile là, bon c'est assez évident que on peut le faire sans sauter pour toute cette partie. Hein. Bon je considère pas que c'est un saut hein, quand on récupère ça. Alors là on saute mais on a vraiment pas le choix je te dirais. Là. Ouais, l'intérêt là c'est vraiment d'essayer d'aller le plus vite possible. 59 secondes on a dit. Hein. Ah putain. Ah nique sa mère. La 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 la. Ah oui en fait la musique elle l'accélère quand il est à côté de nous là. Putain mais je suis une merde d'avoir fait 159 secondes. Je me suis battu first try alors que j'ai eu un fail de où je suis resté au moins 7 secondes au même endroit. Et donc du coup comment j'ai récupéré cette étoile sans sauter? Accrochez-vous bien. Alors. C'est grâce à ces étoiles là, tout simplement. Et hop là. Alors là, j'ai eu de la chance vraiment de first try. Mais concrètement, voilà, grâce à la vitesse que tu obtiens. Je ne savais pas, mais tu atterris tout pile sur le bout. Et après, tu peux atteindre l'étoile. Donc voilà. Comme l'étoile précédente, bah, aucun saut nécessaire. Comme l'étoile précédente qui précédait, aucun saut nécessaire. Donc là, on a fait l'étoile secrète et l'étoile numéro 2. Je sais pas quand est-ce que j'étais censé la faire. La galaxie fantôme 2. Ah, mais j'ai pas noté qu'on devait la faire. Attends, galaxie fantôme 1. Offre luma de terrasse, problème des abeilles, gna gna. Après, on revient ici. Plage saladier 3, C. Galaxie fantôme S. Mais il manque quelque chose là, c'est pas possible. Mais on l'a fait cette étoile pourtant dans le speedrun, il me semble. C'est une étoile qui est facile. Attends, tac tac, salle de bain Bowser. À partir de la salle de bain de Bowser, plage saladier 1, 2, S, okay, galaxie fantôme 1, après goinfre luma, avec galaxie fantôme, pourquoi après on va à la terrasse, c'est parce qu'à la galaxie fantôme 1, tu débloques Luigi, donc t'es TP devant Harmony. Après tu fais le goinfre luma de la terrasse, la comète du royaume des abeilles, le Luigi de la planète œuf. Après tu reviens ici, tu fais la 3 de la plage saladier, la comète de la plage saladier, la secrète de la galaxie fantôme. Je trouve ça très bizarre que dans le speedrun on fasse pas la deuxième de la... Enfin l'étoile que je viens de faire là. Je trouve ça très bizarre qu'on la fasse pas en speedrun. Hein. Bon, il faudrait que je compte les étoiles là. Là je pense qu'il y a un problème. Ou c'est qu'on la fait plus tard alors cette étoile. Mais pareil le boss... J'étais persuadé qu'on faisait le boss. C'est peut-être sur une autre route. Et du coup, l'étoile secrète de la galaxie fantôme est plus rapide. Le niveau dure... Parce que l'intérêt... L'étoile secrète, elle est plus rapide que la course avec le bout. Vraiment. Ça m'étonne beaucoup, ça. Que je me dis, ça permettrait de gratter une étoile que tu ne ferais pas autre part. Je trouve ça bizarre. Donc après, on fait la bulle, du coup. La bulle qui, je crois, a deux sauts obligatoires. Non, un seul. Je sais plus.
De toute façon, là, on n'est pas en stream jumpless. C'est pas l'objectif. Ah merde, putain. Normalement, j'aurais dû skip ce dialogue. Ah, tu perds du temps. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Vraiment sur ce truc-là, t'es mignon d'aller vite, mais prends pas les bombes quoi à côté. Et après, on va essayer le gros skip du level qui fait que tu skips la moitié du niveau. Petit niveau à fragments. Donc là, dès que t'es là, tu te mets sur le bord. Je tac. Ok, j'ai raté. J'ai raté, mais fallait vérifier. Donc là, fallait que je tournoie pour que ça passe. Donc t'es ici, tac, tac. Voilà, t'es ici. Y'a aucune raison d'être là. Soit en longueur, tu tournoies, et voilà, t'as l'étoile. Mais bon, au moins l'avantage, c'est que j'ai revu. T'as pas besoin de te déplacer. Dès que t'es sur les rochers, tu fais un saut en longueur, et ça passe. Eh bah, ben cuisine de bronzer. De bronzer. Ah oui. Seul contre la flotte de bronzer. Merde. Alors là, il me semble on peut tirer à droite. À gauche, pardon. Comment j'ai tremblé. Merde! Oh putain, je pensais que ça me ralentirait. C'est my bad. Ouais, tu t'en branles de bien viser. Il suffit juste de choper ça. Ah oui, le combat contre Bowser Junior, il est un peu chiant quand même. Voilà, si t'es un malade, tu fais le saut en longueur. J'aime pas trop ce saut. Là, c'est vrai que j'aurais pu faire un triple saut, ça m'aurait fait gagner du temps. Après, Bowser Junior, bah on connaît quoi. Ils mettent pas de musique là. Je l'ai pas touché. Mince. Merde. Comment ça se fait que je l'ai raté? Merde. TDR. Ok, ouais, je sais pas comment je me suis raté sur la toute première. Oh putain. Ouais. Non, c'est dommage. Hein. Bon, le risque avec ce boss, c'est de évidemment rater le coup de joystick et de mal viser. Ok, donc derrière, normalement, évidemment, on prend l'étoile, mais je vais pas la prendre pour des raisons évidentes que c'est hyper long. Alors derrière, on va dans les limbes. Les limbes, il me semble que... Attends, on va dans les limbes après? Mais les limbes, c'est pas ici du tout. Attends. Merde. Attends, j'ai... Mais... Parce que là, j'ai un post-it... Avec normalement où je suis censé aller. Mais what the fuck? Il est où mon autre post-it? Peut-être que dans mes notes Mario Galaxy, j'ai noté le chemin à prendre.
Non, je l'ai pas noté. Putain, merde. Attends, je trouve ça bizarre que je doive aller dans les limbes maintenant. Non, j'ai pas d'autre post-it. Je sais pas où il est. Trop chelou que je doive aller dans les limbes, là. Aucun sens. Bon, les limbes, de toute façon, y a rien à opti. Ah, ok. C'est parce qu'après... Ok. Non, on va bien dans les limbes pour derrière faire le Luigi de la forteresse rocheuse. Et après, on va dans la chambre. Ouais, la chambre, je sais pas c'est quoi le plus opti. Ouais, tu peux passer par là. Je sais pas si c'est très opti de faire ça. Mais bon, on regardera le speedrun hein, une autre fois. Et on démarre sur le jardin venteux. Et le jardin venteux, on fait les 5 étoiles à la suite. Alors la 1, je m'en souviens. La 2, je m'en souviens. On a bien fait chier le roi Mogu. Mais bon, on sait comment affronter le roi Mogu maintenant. Ça devrait aller. L'étoile secrète, c'est après, hein, de souvenir. Ah, c'est des niveaux à fragments d'étoiles, ça. Ah, tu gagnes du temps à faire ça. Alors, il me semble que là, il y a un triple saut à faire pour aller directement sur cette île. Merde. Peut-être là. Non. On est obligé de le tuer, on peut pas faire le triple saut. Ah, merci. Putain, en plein dedans. Ah, et on est déjà au lapin. Ah, c'est dans le jumpless, ce lapin-là, j'ai réussi à le choper directement, j'étais tellement content. Il a même pas eu le temps de se barrer, je l'ai direct chopé. Ah, putain. Le petit enculé. Vraiment un level de merde, celui-là. Ouais, et après, c'est selon où tu l'attrapes qui te fait spawn l'étoile. Ok. Ouais, elle peut être très frustrante cette étoile si t'arrives pas à le choper. Ouais, après, on va faire le. On fait les 5 du jardin venteux. Après, on fait les 5 du volcan de glace. Volcan de glace qui est mon. C'est mon monde préféré. Avec le coffre à jouets, je dirais. Parce que c'est très. C'est très impressionnant alors que c'est. Pas si dur à faire les trucs. Mais c'est stylax. Non là. Oh putain, je me suis raté. Voilà. M'y attendais pas. Ah oui, c'est parce que je la chope trop bas. Et que je suis pas dans le vent. Alors que là, j'ai beaucoup d'auteur. Hein. Ah merde, c'est ici. J'ai sauté au mauvais endroit. Alors, un truc que je ne savais pas avec eux. Mince. C'est que les fragments d'étoiles peuvent péter leur casque. Ah ouais, là, je me suis bien raté. Oh là là.
Là, dans une run, j'aurais été dégoûté. Ah putain, faut vraiment être à côté pour que ça compte. Ouais, il faut vraiment des fragments d'étoiles, quoi. Oh non. Non, mais... Fous de ma gueule. Waouh. Voilà, en run 100% là, je me serais énervé. Mais tellement. Je sais plus si ce passage avait besoin de sauter. Je crois qu'il fallait. Fallait sauter au moins une fois, je crois. Alors, allez où l'étoile? La 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 la. Et mon boss préféré. Il a trop mal lui hein, dans le jumpless. Hein. Ce boss là, sans sauter une seule fois, il est possible. Mais qu'est-ce qu'il est dur. Qu'est-ce qu'il est dur ce boss sans sauter une seule fois. Je crois qu'il y a juste l'étoile qu'on doit. On doit sauter pour la prendre. Mais je crois que c'est la seule. Non mais il est dur ce boss. Hein. Il était cauchemardesque. Hein. Non, trop loin. Ah putain. Ouais, c'est vrai qu'il faut faire deux charges au sol en même temps. J'avais oublié. Voilà. Et là, là. Mince. Et la strat, voilà, c'est de le bloquer dans l'arbre pour éviter qu'il aille loin. Ok. Voilà, il était mort. Alors, l'étoile comète, c'est le même boss. Juste, t'as une vie. Donc on va faire l'étoile secrète maintenant, qui est facile. Hein. Alors j'ai juste un doute, mais je crois que c'est l'étoile numéro 3, l'étoile secrète. Ouais, c'est ça. Et pour cette étoile, il faut ramasser toutes les pièces comme ça. Donc voilà, tu dis si au pire t'en rates une, tu fais l'étoile normale, et après tu feras la secrète. Oula! Attention, attention! Ah, t'es obligé de d'abord faire ça et après elle spawn! Ah, les petits filous! Ah, fallait s'en souvenir de ça! Ouais, ah, après juste tu chopes le chomp. Bon, je vais pas m'embêter à redem le niveau hein, si c'est pour refaire la même chose. Oh là là, limite. Voilà, rien de particulier. Hein. Très facile. Voilà. Et là, c'était un niveau cauchemardesque. Parce que t'es obligé, mais de faire un nombre de sauts qui est scandaleux. Ah, ce long jump, il est cauchemardesque. Ce niveau sans sauter, il est juste impossible, je pense. Oh putain, quel cauchemar. On le fait en speedrun, celui-là. Putain, je m'en souviens pas. Je le déteste, ce niveau, vraiment. Encore là, j'ai eu de la chance sur les deux dernières, je les ai eu direct. Ah bah oui, si on le fait celui-là.
Alors je sais plus du tout comment on le fait optimiser par contre. Ah oui, si. Je me souviens. Là, normalement, on fait un long jump. Voilà. Et là, on a gagné du temps. Mais il est dur. Le saut que j'ai tapé là, il est pas évident. Il faut savoir exactement comment la gravité s'arrête. Donc là j'ai fait la S, j'ai fait la 3, la comète c'est la même. Donc on peut partir sur le volcan de glace. Volcan de glace, il n'y a que des étoiles cool à faire. Donc on va démarrer par la 1, on débloque la comète, donc on fait la 2, la 3 et la S. Ah, c'est mon niveau préféré celui-là. Il est trop bien. Alors, les 5 étoiles, elles sont cool à faire. c'est cool et tout, papa. De toute façon, lui, tu es obligé de le choper en dessous de l'île. Tu peux pas aller plus vite. Ah, on la voit rapidos, hein, l'étoile qui était tout en haut. Bon, alors c'est parti. J'étais très deg cette étoile de pas la faire dans le jumpless. Et c'est qu'elle est pas rentable du tout. Donc voilà. Et après... Merde. Ah, je savais même pas qu'on pouvait monter directement comme je l'ai fait là. Merde. Ok, non, c'est pas plus mal. Ok. Bon, je me suis un peu raté, mais tout va bien. Il est mort? Non, toujours pas. Voilà. Non mais elle est cool cette étoile, je la trouve sympa. Alors là où je ne savais pas par contre c'est qu'on pouvait... Mince. C'est que sur cette glace là on glisse pas. Ça je savais pas. Bah du coup je vais lancer la comète. Alors la comète qui est une course poursuite. Avec Galaxy Mario. Mario Galactique. Et on le fait dans le troisième level. Ironiquement. Donc ouais, hein, lui. Hein. Ah, c'est Mario Galactique. Ou Galactique Mario, je sais pas. Alors là, j'ai aucune idée des optimisations. Là déjà, on en a deux. Ok. Ok, ça fait peur, mais ça se faisait. Oula. Ouais, voilà. Bon, rien de particulier ce niveau, hein. Concrètement, faut pas se fail. Et on fait l'étoile numéro 3, c'est... J'ai un doute de l'étoile numéro 3 de ce que c'est. Bon. Bref, on fait la 2. Mince. Ah mais d'abord, fallait que j'active ça. Après, on va en dessous. Ouais, faut se souvenir du chemin là, hein, pour être petit.
Ah, mais oui. Non, ce que j'ai fait ne sert à rien. Parce qu'on va en faire après, c'est un saut en longueur. Ouais. Du coup, ce que j'ai fait ne sert à rien. De finir par la dernière, ça change rien. Ah, on est direct là. Ok, donc l'étoile que j'avais en tête, c'est la troisième en fait. Bon, allez, à la limite, je me fais toucher, c'est pas très grave ici. Mince. Ok. Alors là, j'ai un doute, mais je crois qu'il faut faire un saut en longueur. Ouais, c'est ça, pour arriver là. Et après, là, vous allez être giga impressionné. Saut en longueur à droite ici. Oh là là. Tellement plaisant de faire ça. Ah, et c'est là où c'est chaud et où on peut crever en fait. C'est pour ça, là, le fait d'avoir perdu un PV, ça m'arrange pas trop. Bon, j'ai chié. J'ai chié, mais je sais plus. Je sais pas ce que j'aurais dû faire. Bon, attends, je vais le refaire quand même. Bon, quitte à game over, hein, c'est pas grave. Oh putain. Non, je refuse, j'étais censé avoir 3 points de vie là. Alors, quand t'es là? Tac, tac. Ah, c'est ça. Hop. Tac. Ah ouais, en fait, si tu te presses pas, tu prends zéro dégâts, quoi. À la limite, t'en prends un pour atteindre la droite, mais c'est tout. Ok. Non, l'étoile qui est frustrante dans ce monde, surtout, c'est la troisième. Mais je crois que c'est les étoiles que j'ai le plus train, celle-ci. C'est surtout les dernières, j'avais pas mal train à l'époque. Bon, et la dernière. Alors, il me semble, hein. Là, on fait ça. Non. Et si je vais là, qu'est-ce qu'il y a? Merde. J'étais censé aller où? Ah, je me souviens pas. Attends, parce que j'ai spawn ici. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je sais qu'on fait un saut en longueur, mais... Non, c'est pas là. Parce qu'à la limite, là, après, je fais ça, mais... Oh putain, non, en fait, fallait juste que je fasse un tout droit. Merde. Oh, pff. Ah. Oh putain, je vais avoir un game over. Ah oui, mais il y a l'espèce de soleil ici en fait. Ah oui, donc en fait, faut un petit peu que je me décale. Ah, j'imagine. Attends, on va essayer depuis ici. Ah oui, c'est ça. En fait, c'est j'avance un peu et je le fais à partir d'ici. Voilà, et là, c'est safe. C'est my bad. Je me souvenais qu'on faisait un saut en longueur, mais je savais plus où exactement. Bon, ce passage est assez cauchemardesque. Il est pas facile, hein. Surtout que là, je crois que j'ai pas une bonne rota. Alors.
Ouais, ça m'est tellement arrivé ça, de pas réussir à les enflammer. Voilà, et après, bah, on a exactement la même chose que tout à l'heure. Mais bon, on va le faire. Oh, la lave ne sert à rien. Là, c'est exactement pareil. Hein. Voilà. Allez, hop. Morsure du froid, brûlure du feu. Et du coup, il ne manque plus que la secrète. Mais c'est pour ça que j'aime bien ce monde. Parce que toutes les étoiles sont à peu près uniques. La troisième, forcément moins. Mais bon. Donc normalement, c'est quoi? C'est on lance la première. Donc là, on va refaire le pingouin. Là, tout à l'heure, je me suis fait avoir en me tapant un caillou. Ah, on peut l'attraper sur le côté. Et là, je l'ai peut-être attrapé. Non, j'allais dire c'est bon. Peut-être je me suis raté, mais non. Donc maintenant, bah, va falloir atteindre le haut de la du truc. Et pour l'atteindre, c'est pas très sorcier. Mais il faut quand même utiliser un petit glitch, sinon on peut pas l'atteindre. Sinon, j'ai aucune idée de comment on est censé l'atteindre légitimement. Voilà, c'est ici. T'es censé faire ça. Et là, on n'a pas le droit de faire ça, hein, normalement. On n'est pas censé pouvoir monter cette montagne. Hein. J'ai aucune idée de comment on l'atteint, legit. Bon, là, un saut que je déteste, c'est par le côté ici. Tu te fous de ma gueule. Normalement ça passe. Putain. Enfin, j'ai stressé de fou. Je pensais pas qu'elle me toucherait. Alors il me semble qu'à partir de là, je crois que on peut monter en haut. Yes. Ici pareil. Yes. Ouais, après ici, bon, on va éviter de prendre des risques inutiles. Ici par contre... Ouais. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il faut faire ici normalement? Ah oui, non, c'est possible. Tiens, je me dis, une fois que t'es là... Une fois que t'as réussi à monter là, fais tac, tac, tac. Ah ouais, non, tu chopes pas l'étoile. Bon bah voilà. Et bah du coup, derrière, on a la ruche d'escalade, mais qui est tellement simple que je vais pas le faire. Donc on a là le buzzer de la chambre. La fin des ambitions du roi maléfique. Mais non. Ah putain. Quel enfer ce niveau. Oh putain. J'essaye d'aller vite, mais je ne peux pas. Ah mais en plus c'est un niveau où... Enfin, c'est un niveau à presque scrolling. Tu peux pas aller vite dans celui-là. Ouais, on va récupérer ça parce que là j'en ai vraiment besoin. Bah tant pis. Attends, je peux quand même le récupérer. Oula. Je sais pas si là je peux. Ouais, je peux y aller direct. Après, ça met à risque et péril, tu vois.
Ouais, genre là pareil. Hein. On peut y aller direct. Ah, ce passage dans le jumpless, pareil, cauchemardesque. En soi, pas si dur en prenant du recul, mais... En fait, le fait de ne pas pouvoir sauter, de devoir faire que des sauts muraux, c'est vraiment très désagréable. Mais bon, vu que j'avais prouvé que c'était possible de faire des trucs, j'étais en mode, bah ouais, tant pis, hein, je vais pas les refaire. Hein. J'ai réussi une fois, moi ça me suffit. Hein. Une fois, ça suffit. Si on peut gagner du temps sur ça. Ah oui, là tu peux taper des triples sauts. Sinon, bah tu libères vraiment 100% des Luma, quoi. Et du coup, t'es pas obligé de faire ces triples sauts là pour débloquer Bowser. Bon, moi, le combat de Bowser, je peux le montrer, hein, c'est le même que d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, non, ruche d'escalade. Bah, du coup, maintenant, on va dans la salle des machines. Et on a le bois d'automne. Je vais aller aux toilettes juste avant. Et le bois d'automne, c'est le monde que je déteste le plus, alors que c'est le royaume des abeilles, V2. Hop, et salut à tous. Alors, ça les machines, comment on y va? La salle des machines dans le milieu, c'est par là. Sinon, triple saut, mais en vrai, pourquoi se faire chier? Je pense que vraiment le jour où je reprendrai le speedrun de Mario Galaxy, mais tous les skips que je sais que j'ai pas un 100% de réussite, je ne les ferai plus. On démarre par bois d'automne du coup. Je vois, j'ai pas mal de messages sur Discord. Bon alors, évidemment on démarre sur la une. Alors je crois que c'est pas cette étoile là qui m'avait fait péter un câble à l'époque. Qu'est-ce qu'il faut faire là? C'est quoi cette étoile déjà? Ah ok. Donc ça veut dire que là, déjà on peut aller là, on gagne du temps, et on se fait pas chier, on prend direct l'abeille. Là on monte ici, on va au niveau du trempeau, et on en a une déjà. Après, là on a rien, on va direct là. Et on en a une ici. Après, ici, on fly. Là, on va en avoir une juste au-dessus. Donc on peut y aller par là. D'ailleurs, on en a une ici.
Mince. Ouais, à la limite, pour gagner du temps, dès qu'on a pris celle-là, on fait ça. Ça nous débloque ce TP. Et ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Depuis le bas, on peut l'attendre, le haut? Ah, je me souviens plus, là. Elle est où, la dernière? C'est quoi, ça? Ah. Ok. Elle est totalement zappée. Bon, là encore, je suis en mode facile, hein. C'est parce que j'ai pris l'abeille, mais normalement, tu peux le faire sans l'abeille, ça. Mais c'est parce que je ne jouais pas l'abeille que j'ai pété un câble, donc je pense que je jouerais l'abeille si j'avais l'occasion. Bon, après ce lapin, ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, lui, il suffit de faire ça, normalement, et ça suffit. Après, faut de la chance, hein. Là, je l'ai eu, mais normal. Habituellement, j'arrive pas à l'avoir. Eh ben, écoute. Donc, deuxième. C'est vrai qu'il y a la boucle océane. Dans ce monde, on fait la boucle océane, on fait le coffre à jouer aussi. C'est pas mal d'étoiles ici. Donc cette étoile, je suis censé mettre 5 minutes 50 à peu près. Alors pourquoi j'ai pété un câble sur cette étoile? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai arrêté de speedrunner Mario Galaxy. C'est que là, je suis censé faire un triple... Pardon. Ouais, attends, mais qu'est-ce qu'il m'emmène? Il m'emmène où, lui, déjà? Ah oui, ok. Que normalement, je suis censé faire un triple jump avec le canard en utilisant le... En utilisant les barrières. Je vais essayer de le réaliser, mais je pense que dans le speedrun, je ne le referai plus parce que ça m'a trop marre. Mais là, t'es censé caler un triple saut et bien te démerder pour atteindre cette étoile. Mais c'est un enfer. C'est un enfer de faire ça, donc je pense que je vais jouer le mode facile. Ok, tu perds. Allez, peut-être 20 secondes. Mais en attendant, t'as un taux de réussite de 100%. Donc t'es là. Tu prends ton abeille, tu te fais pas chier. Après, tu vas là-bas. Et grâce à lui, tu prends le TP. Ouais, tu dis tu perds les 15 secondes à aller chercher l'abeille et à faire le chemin. Et puis voilà. Et après, bah, l'étoile, tu l'as fait normalement. C'est une étoile qui est assez lente, celle-là. Plus où faut aller là. Même pas si j'ai pris le bon chemin. Non. Putain. Ah là, si tu connais pas le chemin. Oh putain. Donc faut aller là où il y a trois caisses. Après, je sais plus. Non, je crois pas que ce soit là. Si? Attends. Y'a quoi ici? Oh putain, c'est pas là. Oh, quel enfer. C'est pour ça que je déteste ce niveau. C'est parce qu'il est frustrant. Déjà, le début, je le trouve casse-couille. Oh, mais putain, nique ta mère. Mais en plus, il est lent. Ça m'étonne pas qu'on mette 5 minutes entières sur celui-ci. Après, je crois que je me suis trompé, là. Ouais. Bon, là, pour savoir, fallait juste suivre le bois, c'était assez simple.
Ah mais je l'aime pas ce mob. Hein. Déjà que Mario Sunshine c'est le Mario 3D que j'aime le moins. Parmi les Mario 3D principaux. Oh putain c'est pas là qu'il fallait aller. C'est ici. Oh putain. Ah je les déteste hein, vraiment. Genre ils ne sont pas seulement présents dans le Mario 3D que j'aime le moins. Ils sont aussi dans le niveau que j'aime le moins. Après cette phase là elle est cool. La façon de récupérer l'étoile elle est vraiment sympa. Ah il me semblait que c'était possible comme ça. Comment on fait déjà ici? C'est un triple saut forcément. Et attends, mais on peut la récupérer celle-là normalement. Ouais, faut faire un triple saut, je crois. Ah non, faut prendre un canard sinon. Ah, je me souviens plus comment on fait ça normalement. Il me semblait qu'on pouvait avec un saut. Ça passe, hein? Bon, et après. Ça passe pas. Ouais, c'est bon. Normalement, ça passe. Ah putain, je suis pas au bon endroit. Ah, j'avais réussi, dommage. Yes, c'est bon. Ah mais quoi, mais je suis pas au bon endroit. Ouais, c'est bon là. Ouais, merci. Ouais, un peu de mal là. Ouais, je pense que j'étais juste pas au bon endroit pour le faire. Bon ça, ça retraîne, mais je le sais. Hein. Le bois d'automne, c'est le monde que j'aime le moins. La deuxième étoile, elle m'a traumatisé, vraiment. Tant qu'est-ce que je kiffe Mario Galaxy, mais ce simple level-là, il me dégoûte tellement. Je suis plus là, hein. Je crois qu'il faut aller là. Ah, c'est quoi, c'est la 3? L'étoile secrète, je vais pas la faire, là. Elle est facile. Ça sert à rien, elle. Elle a pas d'intérêt à être retravaillée. Là, l'étoile qu'on va faire, oui. Celle-là, elle peut valoir le coup. Ouais, ça va que j'ai un bon rythme là. J'arrive pas à choper dès le spawn de ce truc. Voilà. C'est plus facile avec l'abeille. Hein. Ah, sans sauter ce boss là, c'était un enfer. Hein. Je crois que je l'ai pas réussi de toute façon.
Ah, c'est plus simple avec l'abeille. Ouais, je sais plus comment fallait le battre en jumpless. Parce que tu peux pas monter sur ça. Le problème, en fait, c'est que pour atteindre le bonhomme, tu devais utiliser les pics pour lui monter dessus. Et le problème, c'est que derrière, bah, fallait le taper 3 fois, mais t'as pas assez de vie, toi. Donc, bref. Donc ça, c'était l'étoile 3, je crois. Non, je vais revérifier. Attends, là, une. Ouais, la 2, c'est le trauma. Là, on vient de faire la 3. La comète, on peut faire. La secrète, elle a pas d'intérêt à être montrée. La comète, oui, elle vaut le coup. Ah, quand je vois Link sur Minecraft, même Nicolas, Mister H5, ça donne envie. Hein. Alors, cette étoile, elle est faisable sans sauter une seule fois, mais j'ai incapable de le faire, genre. Sans être en tasse, je ne vois pas à quel moment c'est possible. Hein. Genre, c'est tellement impossible. En fait, le problème, c'est qu'on prend trop de retard. Et on a besoin d'utiliser le Mario Galactique. Ah. Un petit peu du mal, hein. Le pointage. Après, c'est boucle océane. Ah oui, le pointage, il déconne, hein, ça se voit. Il a un peu de latence en plus. Ouais, je déconne, hein. C'est bien pour le pointage, le fait qu'on puisse décider comment on pointe et tout, mais bon. Oublie que c'est de la merde, hein. Nintendo, hein. Le hardware Nintendo, c'est cher pour ce que c'est. Hein. Oh. Est-ce que j'ai vraiment un intérêt à faire les levels de la boucle océane? La comète, ouais. La 1, elle sert à rien. La 2, elle sert à rien, c'est juste de la course. La 2, la comète, c'est juste sortir de l'eau au bon moment. Ouais, ça sert à rien, la boucle CM de travail. Et après, bah, on a le deuxième meilleur level du jeu. Et encore, on y fait que 3... Ah non, on fait l'étoile 2. Je me souvenais pas. Mecha Bowser. Là, c'est un niveau que j'avais pas mal fait, quand même. Il est très plaisant ce niveau, hein. Il est très agréable quand il est maîtrisé. Au niveau à fragments d'étoiles en plus. C'est normal, ce niveau-là, sans sauter, il est bien faisable. Et t'as beaucoup de passages très difficiles en réalité. Ah merde. Ah, je me souviens plus de la route. Non, là, fallait que je monte sur le mur. Ouais, je me souviens plus de la route. Ah ouais, là, fallait que je saute. Voilà, ici. Là, on ouvre ça. Et là. Voilà. Je sais plus si on a besoin du ressort. Au pire, je vais le prendre. Pour être sûr. On n'est pas obligé de l'utiliser, mais je crois que pour aller... Ouais, genre là, on n'était pas obligé de l'utiliser. Ah merde, en plus, j'ai pris le mauvais chemin. Non, mais on en a pas besoin, hein. On en a pas besoin, mais je me souviens pas si dans le speedrun on l'utilise.
Ouais, parce que même là, tu te dis... Ah, mais attends. De souvenirs, on peut monter là-dessus, non? Ah non, on peut pas. Attends, il me semblait que le triple saut, il était faisable. Pour le coup, je t'avoue, je me souviens vraiment pas de... Je me souviens pas du tout de ce level dans le speedrun, comment on le fait. Hein. C'est pour ça, faudra avoir des runs pour ça. Bon là, t'as pas le choix, faut commencer à gauche. Là, j'ai un doute s'il faut bien désactiver ce que je viens de désactiver. Et une fois que t'as fait ça, le niveau, tu ne le respectes plus. Tac. Voilà, une fois que t'es là. Voilà. Ah, c'est pour ça qu'il est cool ce niveau. C'est pour ça que j'ai dit on le respecte pas parce que là tu pètes les jambes et après tu montes par le bras. Et voilà, et finito. Après bah c'est juste avance vers l'étoile à la vitesse de la lumière. Voilà. Il est cool celui-là. Alors l'étoile numéro 2 de souvenir, c'est un gouffre lumineux qu'il va falloir nourrir. Pour débloquer l'étoile secrète, et l'étoile secrète, elle nous débloque. Ah non, Mario et Mario. Ah, c'est peut-être pas tout de suite. Mince. Ah mais là, il faut prendre absolument les fragments maintenant. Ah ouais, c'est ça, il y a un grand fruit là. Bon, je sais plus combien de gonfres... Je sais plus combien il coûte, mais bon, on va dire que j'ai déjà tout. Il est où? Il est là? Ah, quel level de merde. Je l'aime pas du tout, celui-là. Souvenir, on va là. Après, on va en dessous. En plus c'est bugué, tu peux te faire buter alors que tu devrais pas te faire toucher. Merde. Attends. Ah et là faut que je... Quand je suis là je vais direct là. Ah, je me souvenais pas. Ah mais je me souviens pas du chemin qu'il faut faire ici. Parce que là j'en ai loupé un. Hein. Ouais, il y en a en plus. Je me souviens pas du tout du chemin. Hein. Merde. Ah, je me suis touché. Oh non, mais tu te fous de ma gueule. Ouais, j'ai pas envie de refaire ce niveau, parce que c'est de la merde. Je dis que j'aimais beaucoup le coffre à jouer, mais je déteste ce niveau-là. Bref. J'ai la flemme. Voilà. J'ai la flemme, j'ai la flemme. Non mais ça c'est si tu connais pas le chemin c'est... Ça sert à rien parce que je vais pas deviner le chemin optimisé. Après le coffre à jouer numéro 2. Ouais après c'est de récupérer les étoiles d'argent quand t'es sur le Mario en pixel art. Rien de particulier, l'étoile numéro 1 de l'île flottante, rien de particulier, l'étoile secrète. Ah si l'étoile flottante numéro 1 si. Je me souvenais pas qu'on la faisait celle-là. Pareil, ce goinfre l'humain, est-ce qu'on le fait?
Ou un fumet de cuisine. Ouais. Eh bien, écoute, on va aller le faire. Aller le faire après. Déjà, il faut tente. La forteresse flottante. Ouais. Bon, déjà, on peut démarrer pour faire. On peut démarrer par l'étoile verte déjà. Bon, je vais pas la faire, hein, je vais juste. Enfin, je vais pas la récolter plutôt. Ah, pareil, en jumpless, elle était. Elle est dure celle-là. Attends, ça sert à rien ce que je viens de faire. Je suis trop con. Ça sert à rien. Il faut d'abord aller là. Et après, tu peux faire ça. Voilà. Allez. Oh merde, j'ai. Ah, oh, je crois que je spawn sur l'étoile. Est-ce que j'aurai le temps de faire plus? Ah putain, j'ai pas eu le temps. Ouais, d'abord. D'abord, tu dois tirer un billball. Et après, tu fais ça. Le problème, c'est que si le billball il tape bah, dans une boule ou dans le Goomba, bah, tu es baisé. Et ben, rip. J'étais en train de paniquer. Bah écoutez, on va faire encore plus que deux étoiles. On fait celle-là. On fait le goinfre luma de la cuisine. Et après, on aura le dernier level que je maîtrise. Il y a juste la partie lave qui est un peu dure. Le dernier level, je le maîtrise vraiment, normalement. J'ai peur qu'il aille trop haut. Non, c'est bon. Ouais, ce level est un petit peu en... un enfer. Hein. C'est un niveau que je maîtrise très très mal, celui-là, il me semble. Alors, il me semble qu'il faut bien que je le démarre ici. Ouais, voilà, déjà, ça démarre bien. Putain. Ah, pareil, l'eau, j'ai un petit peu du mal dans le jeu. Ouais, c'est vrai, remarque. Quand tu regardes, qu'est-ce qui m'empêche de passer direct là? Après, le problème, c'est là, j'ai perdu du temps. Ah, tu te dis pareil, qu'est-ce qui t'empêche de juste passer par là? Alors ça sert à quoi? Il sert à rien lui, non? Il me dit rien. Bon, écoute. Il me semble qu'il faut pas les faire tourner, on n'est pas obligé. Je sais plus où ils se trouvent les trucs. Je sais qu'il y en a un à travers un bloc à récupérer, mais c'est tout. Peut-être ici. Ah, tiens, il y en a un là. Je me souviens pas. Ah putain, c'est horrible. Je ne sais plus. Mais c'est ça, hein, ici t'es pas obligé de les faire tourner. Ah putain, il me manque celui qu'on voit pas du coup. Ah, il est pas là. Ah, il est là. Il est juste à côté de cette vis. Et comment on le prend? Attends, j'étais persuadé qu'on le prenait en... Ah, voilà. Ah, donc faut le prendre de cette façon-là. Merde. Est-ce que là, on peut faire un des sommeros sur ça? Yes.
Ouais, donc c'est ça, on n'est pas obligé de l'activer. Hein. Mais je crois que l'activer, c'est un peu le, entre guillemets, le mode facile. Ok. Non, bah bien, 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 bien. Et bah du coup, on va faire le goinfre l'humain. Qui est de souvenir le combat des poissons là, enfin où faut buter des murènes. C'est un niveau assez chiant en vrai. Le pire, celui qui m'a surpris, c'est le requin squelettique là. Ah oui, merde, c'est vrai qu'il faut pas que j'aille là. Ah, le requin squelettique, il était assez infernal. Hein. Mais bon. Pour le jumpless, c'était un niveau où on n'avait pas besoin de sauter du tout. Donc c'est un niveau full aquatique. Comme celui qu'on va faire d'ailleurs. C'est un niveau à 100% dans l'eau. Donc aucun saut nécessaire. Voilà, l'objectif après, c'est de... Attends, à la limite. C'est de trouver les carapaces rouges. Ah putain. Ok, let's go. Ah, en vrai, le coup, c'est vraiment d'attendre qu'elles viennent sur toi quand t'es sur les carapaces rouges. Hein. Ouais, après, t'es obligé de faire le tour un peu bêtement, vu que tu sais pas où elle est. Elle est là, non? Yes. Ouais, 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 ouais. Et ben voilà. Et ben dites-vous que là... Normalement, on fait le Luigi de la planète œuf, qui est juste un triple saut. Et après, bah, on fait le dernier level. Le dernier level qui me prend 9 minutes entièrement. Combat contre Bowser compté. Ah merci, on peut skip ça. Je sais plus le niveau de Bowser final, combien de sauts sont nécessaires. Il me semble qu'il n'y a que 3 sauts nécessaires de souvenir. 2 pour atteindre Bowser, 1 pour l'étoile finale, mais le niveau tu peux le faire entièrement sans sauter. Ouais, je sais pas si ça vaut le coup là ce que je viens de faire. Ouais, genre là. Ouais, à la limite je me dis tu montes ici. C'est un peu du suicide. Là, ça, tu peux le faire, par contre, il n'y a pas de souci. Ah non. Ah si, ça passe. Ici, c'est rentable de faire ça. Alors, c'est juste ici, ça peut être dangereux. Ouais, je crois que j'ai raté en plus. Ouais. J'ai raté. En fait, il y a un mur invisible ici. Il y a un mur invisible qui t'empêche de passer. Du coup, faut bien faire le tour. Et là, j'ai réussi. Après, c'est la phase de glace. Bon, normalement, celle-là, elle est pas très sorcière. Voilà. Rien de particulier, celle-ci. Elle, je me souviens... Merde. Je sais plus si on peut direct sauter là-bas. Ah, j'ai un doute. Je sais plus si on peut la faire très efficacement celle-là. Il me semble, mais c'est dangereux si tu le fais. Ouais.
Ouais, je me dis, autant récupérer de la vie. Ah, quoique, on respawn pas direct là, je crois. Ah merde, putain, j'ai fait ça pour rien. C'est mal, mal, mal. Ouais, c'est ça, pour gagner du temps, tu te fais juste toucher par celle du bas. Et là, on est là. Ah putain, on se faisait régène. On est obligé d'attendre un petit peu. Bon, je vais éviter de faire le malin quand même. Parce que je me souviens pas assez pour y aller très rapidement. Après là je suis clean en vrai. Hein. Là ma phase de feu je l'ai très bien faite. Et voilà. Du coup actuellement là, pour la jumpless, zéro saut nécessaire. Et c'est ici où t'es obligé de sauter, sinon t'as pas le temps. Mais ici deux sauts sont nécessaires en réalité pour le réussir. Alors je me souviens plus quels sauts sont obligatoires par contre. Il me semble de souvenir qu'on peut attendre. On peut atteindre ce champignon-là sans sauter une seule fois. Juste avec des sauts muraux, on peut atteindre. Les sauts muraux sur les bordures des escaliers. Juste avec ça, normalement, on peut atteindre ce champi-là. Et après, t'es tellement en labour, tu fais deux sauts à... Je crois, ouais, tu fais peut-être un ou deux sauts muraux pour essayer de gagner du temps. Et tu fais des backwards comme ça. Parce que c'est ce qui te permet d'aller le plus loin, le plus efficacement possible. Parce qu'en fait, cette plateforme-là, tu peux l'atteindre sans sauter, vu que t'es... Enfin, vu que t'es pas... gouré par le temps. Après, oui, c'est un peu dur. Et t'as pas le temps, quoi. Putain, en vrai, Mario Galaxy, si t'avais l'espèce de saut en avant de... dans les airs, là, pour lancer une roulade. Je sais pas si je kifferais autant Mario Galaxy avec la physique de Mario Odyssey. Je pense qu'il y aurait des trucs qui seraient trop plaisants à faire. Il faudrait que les bugs y soient possibles. Donc voilà, là normalement on a deux sauts pour atteindre cet endroit-là. Et après, bon bah le combat final de Bowser, voilà quoi, faut le connaître pour l'opti quoi. Voilà, ce qui est facile en fait, c'est juste si tu te fais toucher, hop, tu prends une pièce et puis basta quoi. Non mais Bowser il est facile. Dans le jeu, quand j'étais petit je le trouvais dur, mais en fait c'est juste que je le connaissais pas quoi. Merde. Ouais. Voilà. Pour l'instant, zéro difficulté. Écoutez, flemme de save après, hein. Dès que je le bats, je m'arrête. Non, mais ça va, j'ai fait ce que je voulais. Moi, je sais pas si de me faire toucher, ça... Ça fait qu'il nous... Il saute moins. Putain, let's go. Je pensais pas que ça passerait. Ouais, il fait beaucoup plus de sauts, normalement. Là, le fait de se faire toucher... Vas-y, va, déplace-toi bien. Et voilà. Putain.
Voilà. Et bah écoutez, j'espère que ce stream, évidemment, vous aura plu. Et voilà, ça se termine sur ça, concrètement. Rien de plus à dire. Non, bah c'était sympa de revenir. Avant de re-speedrun le jeu, évidemment, il va falloir que je me réentraîne, évidemment, sur certains passages. Et le plus important, c'est surtout voir la route. Je pense que c'est bon, hein, normalement, c'est la bonne. Mais il y a des niveaux que je suis un peu étonné de ne pas faire. Notamment... Hop. Un niveau sur lequel je suis très étonné, par exemple, c'est la Galaxie Fantôme numéro 2 qu'on ne fait pas. Ça, je suis très étonné qu'elle ne fasse pas partie de la run, cette étoile. Donc écoutez, voilà, c'est le genre de détail qu'il faudra que je vérifie. Parce que sinon, bah, je vais juste me retrouver avec 59 étoiles sans pouvoir lancer le buzzer final. Ça serait un peu con. Mais bon, non, c'était plaisant, c'était cool, c'est rapide en vrai. Voilà, il n'y a pas besoin de se retaper les comètes, etc. Vu que les comètes, très souvent, c'est exactement le même niveau, mais en plus dur. Wally Walou. Eh bien écoutez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé. Avant de faire du vrai speedrun, on regardera peut-être mon ancien speedrun pour voir la route que j'employais. Et peut-être un speedrun, un autre, pour voir comment le mec il fait certains passages. Et puis voilà, après c'est de la pratique. Et écoutez, sur ce, demain soir, Animal Crossing, on fait le quartier des oiseaux, il me semble, de ce que j'ai dit. Et puis voilà. Écoutez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé. Et on se dit bien évidemment à la prochaine. Pour un prochain streaming. Allez, bonne nuit.